C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Tablacus Explorer en version 23.6.25. On récupère un fichier zip sur le site officiel. Je vais le décompresser avec 7-Zip pour ma part. Alors le programme est une version portable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation. On peut simplement copier le répertoire et utiliser le programme sans avoir besoin de l'installer. Donc nous avons deux exécutables, un exécutable en 32 bits, TE32.exe, et un exécutable en 64 bits. Je vais lancer la version 64 bits. Et nous voici dans le programme. Donc comme vous voyez, on a ce PC, les habituels téléchargements, documents, musique. J'ai mes disques durs, mon C2 points, mon D2 points, le lecteur CD et un transfert de fichiers. Si je vais dans Fichier, je peux actualiser, je peux coller. Dans Édition, on a les célèbres annuler, rétablir, mais aussi couper, copier, coller, ou encore coller le raccourci. Je vais me mettre dans mon D2 points. Je vais prendre par exemple le fichier du programme. Je peux copier dans un dossier. Donc si je clique ici, je peux sélectionner le dossier destination ici. Je peux faire la même chose avec déplacer vers un dossier. On peut sélectionner tout, inverser la sélection, copier le chemin complet. Dans affichage, on peut afficher en très grandes icônes, en grandes icônes, en icônes moyennes. Personnellement, je préfère ceci. Ou encore liste, détail, mosaïque ou contenu. On peut masquer les noms de fichiers, on peut faire une réorganisation automatique, on peut aligner sur la ligne, on peut développer tous les groupes ou encore réduire tous les groupes. On peut effectuer des tris par nom, modifier, type, taille. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez faire autre et vous voyez que vous avez un large choix. On peut regrouper par sur le même modèle. On peut choisir les détails. On peut personnaliser ce dossier. Alors, personnaliser, ça veut dire qu'en fait, il va faire une propriété où l'on va avoir les options de Windows, comme les outils, le matériel, etc., etc. On peut remonter d'un niveau et on peut actualiser. Nous avons une gestion des favoris, ce qui est bien pratique. Donc, on peut ajouter un dossier spécifique en favoris, histoire de le retrouver plus facilement ici. Alors d'ailleurs, personnellement, je regrette un peu qu'on n'ait pas cette option pour envoyer le fichier ici, copier dans un dossier. J'aurais aimé personnellement retrouver les favoris, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Dans Outils, on peut recharger la personnalisation. On peut changer la disposition. Alors c'est là aussi la force du logiciel. Nous avons ici plusieurs fichiers de disposition que l'on peut modifier. Si je prends par exemple 4 tabs, je vais avoir 4 fenêtres d'affichage dans mon programme, ce qui est particulièrement pratique pour faire des copier-coller sans avoir besoin de retourner dans le dossier. Alors comme ça, vous avez pas mal d'options. Vous avez le H2Tab qui va vous mettre 2 fenêtres en horizontale. Voilà, vous avez plein de trucs. Vous avez la même chose, mais en version comme ceci. Je vais rester comme ceci d'ailleurs parce que personnellement c'est ma disposition préférée. On peut enregistrer les dispositions. On a des compléments, ce qui est des sortes de plugins au programme, des rajouts de fonctionnalités au programme. Donc ici on peut obtenir des compléments et vous avez de très nombreux compléments. Si vous voyez ma barre de progression, vous voyez c'est vraiment très 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 nombreux. Donc on peut vraiment beaucoup améliorer le programme grâce à ces compléments. Bien sûr, je ne vais pas vous les détailler un par un, la vidéo prendrait des heures. Je vous laisse le soin de regarder par vous-même. On peut aussi obtenir des icônes, d'ailleurs tant que j'y suis ici, on peut changer les icônes du programme, ce qui est toujours sympathique. Voilà, on a les préférences du programme. Qui sont un peu étranges, je trouve, les préférences, mais bon. Donc là, les compléments, les icônes, on retrouve ici. On a aussi les menus, par défaut, contexte, arrière-plan.
C'est un petit peu spécial comme paramétrage, mais bon. Non. Voilà. Enfin, on a l'aide avec vérifier les mises à jour, obtenir les compléments qu'on a déjà vus, obtenir les icônes qu'on vient de voir, et le célèbre à propos du programme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation. Un petit message pour finir. Alors non, je ne vais pas vous inciter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je ne vais pas vous inciter à mettre des j'aime sur nos vidéos. Encore moins à vous inscrire sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Par contre, je vais vous inciter à vous inscrire sur notre forum à l'adresse www.toutes-les-solutions.fr. L'inscription est gratuite, l'utilisation aussi. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez sur l'environnement Windows, GNU Linux ou encore macOS, et aussi tout ce qui est mobile, genre Android ou iOS. Bonne journée à vous!